monde, c'est Walox. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, 6 stars qui ont fait de la prison. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous inviter à descendre un petit peu puis à lâcher un pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage à continuer la vidéo. Et puis, à la fin de la vidéo, à laisser votre avis en commentaire. Comme vous avez pu voir aussi, j'ai une nouvelle intro que je trouve vraiment trop stylée. C'est School Vodka qui me l'a fait. Donc, sa chaîne sera en description. N'hésitez pas à aller vous abonner pour 5€. Il vous fait ce genre d'intro. Donc, n'hésitez vraiment pas. Pour ce qui sera du gameplay, ce sera un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 sur la map Hunted. J'étais à la Manoir après tous les atouts, etc. Je m'en rappelle plus trop, mais en tout cas, j'ai fait quelques petites séries assez sympas. J'ai débloqué mes raps et puis je termine en 35-9. C'est vrai que ce sera pas bon un gameplay que vous verrez que vous pouvez voir sur le plus grand team Performance FR, mais pour ma chaîne, je pense que c'est un assez bon gameplay. Donc, on va commencer tout de suite avec la première star qui est Lindsay Lohan. Donc, depuis 2007 et le début de sa traversée du désert, Lindsay Lohan a fait plusieurs passages donc par la case prison, parfois quelques heures, d'autres fois plusieurs jours. Elle a été condamnée pour avoir conduit sous influence de stupéfiants et pour avoir enfreint sa liberté conditionnelle. Deuxième star, Paris Hilton. Donc à l'époque, Paris Hilton avait fait les gros titres. Donc en 2007, alors que son permis de conduire a été suspendu l'année précédente pour conduite en état d'ivresse, Paris Hilton est arrêtée au volant de sa voiture, conduisant bien au-delà de la limite réglementaire. Donc elle est condamnée à 45 jours de prison, mais ne passera que 3 jours derrière les barreaux. Elle est assignée à résidence avec un bracelet électronique. Troisième star, Paul McCartney, une star très connue qui faisait partie des Beatles. Donc en 1980, Paul McCartney a passé 9 jours dans une prison japonaise. Donc il a été interpellé à l'aéroport de Tokyo en possession d'une grande quantité de marijuana. Donc c'est de la drogue. Donc il a failli être jugé pour avoir vendu de la drogue, mais il a assuré que c'était pour sa consommation personnelle. Donc du coup il a écopé d'une sanction beaucoup moins importante. Quatrième star, Mike Tyson. Donc le célèbre boxeur a été emprisonné donc pour avoir violé une femme de 18 ans. Donc dans son autobiographie, le boxeur criait son innocence et il affirmait qu'elle était consentante. Cinquième star, Michelle Rodriguez. Donc l'actrice de la saga Fast and Furious a fait plusieurs passages par la case prison. Elle passe 48 heures derrière les barreaux en 2004 pour conduite en état d'ivresse. Elle passe encore 5 jours en détention en 2005 pour le même motif. Et puis en 2007, elle est condamnée à 180 jours de prison pour avoir enfreint sa période de probation. Et enfin, sixième et dernière star, Snoop Dogg. Donc entre 19 et 23 ans, Snoop Dogg a fait de nombreux courts séjours en prison pour possession de drogue. Au lycée, déjà, le rappeur dealait de la marijuana, comme l'a raconté Cameron Diaz, qui fréquentait la même école que lui et était une de ses clientes. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Je vais tenter d'envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires en espérant qu'elle me pose. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à descendre un petit peu, ça vous coûte rien, ça me fait extrêmement plaisir. À laisser votre avis en commentaire, à partager cette vidéo sur Twitter, je retweet et je like et je m'abonne à vous, voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, c'était Walox pour une nouvelle vidéo, allez ciao.